Encore une comédie française qui laisse à désirer. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Sprizel, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce du film Divorce Club, le nouveau film de Michael Youn avec Arnaud Ducré et François-Xavier de Maison. Je vais vous lire le résumé. Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux, jusqu'au jour où il découvre en public que sa femme le trompe, humilié et plaqué dans la foulée. Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d'emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels ils avaient renoncé durant son mariage. Bientôt rejoint par d'autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du Divorce Club. Alors c'est parti, lumière mode. Ça tourne, réaction générique. Divorce Club, bande annonce, c'est parti. Je me souviens de Ben, mon mari. Ma femme m'a quitté pour son patron. Bonjour. Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés. Oui. Tout le monde l'a entendu se faire... démonter. Ah oui. Il y a toujours pire. Et Ben, c'est le pire. Eh ouais. T'as plus rien. Ta vie, c'était ton couple. Et croisant mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi. Ne m'appelle plus, hein. C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi, sois pas égoïste. On va se consoler ensemble, je m'ennuie dans ma grande baraque. Dis-moi que t'as pas envie de ici. Oh la vache. Tu mérites de te faire plaisir après le traumatisme que tu viens de subir là. Bah c'est sûr que la séparation a été dure. Je parlais du mariage. Je vais pas faire semblant d'aller bien, je vis pas bien. Ben, t'es tombé de cheval, ça arrive au meilleur. Mais il faut que tu te remettes en selle direct, sinon tu feras du poney toute ta vie. Bref. Non, je regardais... Ouais, tu regardais le cul, quoi. Salut, toi. Salut. C'est le Divorce Club. Réveille-toi, Ben. T'es célibataire, maintenant. Y'a plus personne pour t'engueuler quand tu t'abuses. C'est qui? Non, oh, merde. T'as bu ou quoi? Bingo. Ouais, j'ai bu. Parce que c'est mon anif. Alors, les copains m'ont fait une surprise. 41 ans. Pompez-la, puis bon, on a bu des coups. Ouais, quelques coups, hein. Il y a un truc qu'il faut pas toucher. Ma Ferrari 250 GTO. D'accord, allez, je te tape bien Hubert. Oh, ça, je peux le faire tout seul. Hein? Non. Oh la vache. Oh merde. Oh merde. Oh putain de merde. Mais le frein à main. Le frein à main. Non. Je vais aller sur le petit coin, je vais acheter la même, à l'identique. Bien sûr. Vous avez vu au début de la bande-annonce? Je vous remets l'image, ici. Vous m'avez parlé que si vous gagnez, dans le prochain film que je réalise à partir du 27 août, vous voulez un rôle dedans. Alors, on va dire que ça, ça marche que ce soit une victoire ou une défaite. Donc vous êtes dans le prochain film, sauf que si vous gagnez, si vous gagnez, vous avez un truc normal, de figurant, bien peut-être même une petite phrase. Si vous perdez, il y a un truc un peu déshonorant, où forcément vous serez un peu à poil. Eh bien, c'est vrai. J'ai chargé au dernier moment, c'est sauvé. Ouais. On a enfin décraché un rôle, même petit, au cinéma. Le film s'appelle Divorce Club. J'adore. C'est des mecs qui créent un club de divorcés pour... Ah, bien. Qu'est-ce que ça va être comme film, ça? Bah, c'est un film de Michael Youn. Alors, franchement, ça peut être un peu plus au-dessus
que les comédies françaises franchouillardes qu'on a d'habitude. Ça peut être bien. À voir ce que ça donnera, j'aime bien Arnaud Ducré, j'aime bien François-Xavier de Maison, et j'aime bien Michael Youn, donc à voir ce que ce film donnera s'ils mettent une nouvelle bande-annonce d'ici là. Mais le film sort le 25 mars, donc je pense que c'est la seule bande-annonce qu'on aura. C'est pas grave, on s'en contentera. Au moins, le personnage d'Arnaud Ducré ne va pas se laisser abattre, il va réussir à pécho une autre fille quelques temps plus tard. Tranquille, mais il va essayer de pas passer pour un nul auprès de son ami. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupé. Souscrivez à un abonnement. 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 Souscrivez à un abonnement.